Bonjour, bienvenue au Big Boss. Ce soir, c'est les Butch Stockholm. C'est vraiment le délire. Quelle est la différence principale entre vous et la personne dans le miroir? Alors, c'est la toute première fois qu'on vient ici. On ne connaissait pas. On apprend à connaître tout doucement. Et on aimerait bien vivre notre première expérience homosexuelle. Quelle est la différence principale entre vous et la personne dans le miroir? Alors, j'aimerais dire un petit mot incognito. C'est que cette soirée se passe très bien. C'est une soirée entre femmes. Et nous deux, nous affirmons. Enfin, presque. Moi, j'adore les mouvements gays, lesbiens, etc. C'est de la pure électro. J'ai passé vraiment une chouette soirée. La mère de Toto a 3 fils. Pim, Pam et Toto. Quoi? Pomme. Et Toto, la mère de Toto a 3 fils. Ouais, Toto. De quelle façon les papes se saluent-ils? Ils font... Non. Je pense que les papes, c'est toute une histoire. À mon avis, ils se tâtent les couilles. On a passé une très très bonne soirée ici, Butch Stockholm, ça répétait. Le concert était vraiment fabulous. Yes, I think so. I mean fabulous, like in brillant. À quoi ressemble la personne que vous voyez dans le miroir? C'est pareil, hein? Bruno, je comprends rien. Il n'y a pas de miroir. Stockholm ne veut rien dire. Théa, je t'aime trop. Ah ouais, moi aussi Laura, je t'aime. On m'a brisé le cœur tellement de fois, mais je t'aime quand même, tu vois. Un berger possède 16 brebis. Elles meurent toutes, sauf 10. Combien lui en reste-t-il? 6. Ah, 6, dis-le. 6. Tu confirmes? Attends, elle a 16 brebis, elles meurent toutes, sauf 10. Ah non, lui en reste-t-il? Wow, c'est excellent, c'est excellent. Mais 10, 10. Elles meurent toutes. Ah non, elles meurent toutes. Elles meurent toutes. Ah, sauf 10, mais c'est 6. Bah, moi, je dirais qu'il en reste pas, parce qu'elles meurent toutes. Moi mais aussi. Mais le problème, c'est le sauf 10. Ça veut dire sauf 10. On doit dire donc, il en reste B, 10. La réponse est 10. Qu'est-ce qui vous amuse le plus? Faire du sexe. T'as direct, toi, ça va plus. Oh là là, tu es toi? Aussi, mais bon, vu que c'est pas souvent... Le corbeau a beau dire qu'il est un renard, il n'est pas tout à fait un camembert ce soir. Il fait ce qu'il peut, mais il essaye. Alors ce soir, le corbeau est un corbeau. À vous la parole. Et le camembert reste un camembert. Merci à vous. Il faut rester positif dans la vie, c'est ça le truc. Quel est le nom de votre ami imaginaire? Dora. Et toi? Julie. De quelle façon les papes saluent-ils? De quelle façon les papes saluent-ils? À mon avis, les papes quand ils se voient, bah déjà il y en a qu'un à la fois, donc c'est pas... À mon avis, donc s'il est tout seul, quand il se voit, il se trouve tellement beau, bah... Il se masturbe, voilà, tranquille. Elle espère qu'il va se passer quelque chose.